Salut à tous, alors ça c'est une question que vous êtes assez nombreux à me poser. J'ai des plantes de courgettes ou d'autres plantes de la famille des courges qui fleurissent mais qui ne font pas de fruits. Et c'est souvent en début de saison que vous me posez cette question et ça a du sens, vous allez voir pourquoi. Déjà c'est une plante qui est, on dit, monoïque, toutes les plantes de cette famille le sont. Ça veut dire qu'elles produisent des fleurs mâles et des fleurs femelles séparées. Et en début de saison, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, les premières fleurs sont toujours des fleurs mâles qui donc ne donneront pas de fruits du tout. Je vous montre sur un petit plant de courgettes. Vous voyez, toutes les fleurs qui arrivent ont une petite tige assez fine là qui les porte. Et donc ça, c'est les fleurs mâles. Sur les fleurs femelles, on voit déjà un jeune fruit, un futur fruit sur la base de la fleur. Donc voilà, les premières fleurs sont des fleurs mâles, donc ça ne fera pas de fruits. Autre truc, c'est des plantes qui sont fécondées par les insectes et notamment les bourdons. Si vous n'avez pas beaucoup de biodiversité chez vous, ben ça donnera soit des fruits biscornus, soit pas de fruits du tout. Donc attendez, patientez, ça va donner des fruits plus tard, à condition qu'il y ait beaucoup d'insectes chez vous. Salut!